Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice et bienvenue dans la suite de Breath of Fire 2 parce que la dernière fois c'était une très mauvaise fin, je m'explique. Après un très très grand tour pour aller chercher Patty parce que ce village a décidé d'exploser le dragon pensant que c'était le mal incarné mais en fait non, eh bien le mal s'est répandu et combat de boss contre Uluk. À la fin de ce combat, j'avais le choix scénaristique entre aller combattre le mal ou laisser le dragon sceller la porte. J'ai fait garder que le dragon scelle la porte encore et le texte m'a dit alors oui en fait le dragon scelle, sauf qu'au bout d'un moment des méchants arrivent et la terre est envahie par les méchants. Vous avez la mauvaise fin. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais refaire le combat qui ne devrait pas durer trop longtemps et je vous reprends lorsque j'aurai à nouveau ce choix et que je ferai celui d'aller exterminer le mal. Alors, voilà, la discussion était longue, je l'ai coupé. Et donc, nous allons combattre le démon. Est-ce ta décision? Le monde et tous ses peuples en seront entre tes mains. Acceptes-tu cela, Ryu? Oui. Je comprends, mon enfant élu. Oh mon dieu, mais que se passe-t-il là? Il se passe des choses. Le dragon se retire. Ah mon lait. Et il brille. Il se déforme. Ryu, mon enfant élu. La route que tu as choisie est très dangereuse, mais je crois qu'elle est juste. Je suis persuadé que tu mèneras à bien cette tâche difficile. Ryu, je crois en toi. Dorénavant, quoi qu'il advienne, jamais tu ne dois oublier que ce choix était juste. Au revoir, Ryu. Je suis heureuse d'avoir pu te protéger. Afin d'ouvrir les portes, la vie d'un membre du clan du dragon. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris, cette personne, c'était notre mère. Run génocide familial. Yes! Donc, la porte est ouverte et cette porte doit nous amener dans les tréfonds. Avant cela, je vais faire des courses, je vais me soigner, mais aussi ce que je vais faire tout de suite, c'est d'aller voir les autres portes. J'ai bien envie de savoir ce qu'il y avait derrière les autres. Par curiosité. Je suis dans l'infini. Bonjour. Je suis la chambre du démon. Merci de m'avoir trouvé. Je vais faire de mon mieux pour m'unir à vous. Si vous voulez vous unir à moi, venez chez mamie. Quoi? J'ai trouvé un chaman au pif. Alors je le répète hein, parce que faut le noter, et j'ai trouvé un chaman au pif. Oui, j'ai toujours pas d'ailleurs su comment déverrouiller le chaman de la terre. Je ferai ça dès que possible après cette partie. Mais là, j'ai trouvé le chaman démoniaque. Ok, donc tous. Oh la vache, ça pique les yeux. Ça pique les yeux tout ça. Donc, je vais recouper, encore une fois. Enfin, je vais sortir, recouper pour aller me soigner, acheter des objets. Et je pense que l'on va commencer par le chemin du milieu, même si le chemin droite et gauche m'intrigue beaucoup. On verra bien. Attention, ça va couper, chérie. À tout de suite. Voilà. Oh, c'est allé super vite.
Je suis quand même curieux. Voilà, la curiosité l'emporte sur la raison. Je vais commencer par les chemins de gauche et de droite. Je pense qu'à un moment, on va revenir à peu près au milieu. Voilà. Moi, j'aime bien commencer à côté. Donc, on est dans l'infinité. Hein, c'est le titre, c'est infinité. Ok. D'accord. Très bien. Et ben j'ai fait un aller-retour. C'était super. Un très bel aller-retour pendant que je vais me faire défonce par ces belles personnes. Nina, ma petite Nina, comment se fait-il que tu n'as plus ton enchantement? Je suis déçu. Bon, on verra ça plus tard, écoute. Hop, et puis un spa, hypnotiseur. Et à 49 quand même, ça pique. Et on sort de mort. Ouais, mais la mort sort très très efficace, mais assez peu fiable. Tandis que froid 3 en critique. Oh le petit 420. 420 friendly, évidemment. RT si t'as la ref. Ah, c'est eux qui ont l'avantage quand même, ça me plaît guère ça. Ça me plaît pas bien. Bon, Ryu reste quand même le temps. 10 000 d'XP. Ça va. J'aurais pu changer de personne, mais je pense que on va quand même faire un peu pexer Aspa, vu qu'il fait partie des deux ou trois personnes qui sont encore en dessous du niveau 30. À la limite, s'il meurt durant un combat, bof, c'est pas grave, j'ai de l'herbe de vie que je peux m'acheter maintenant par dizaines. Toujours dans l'infinité. Alors. D'accord, il y a une espèce de socle. J'y vais. Bon, évidemment, je pense que je vais me faire attaquer par des coursiers. Pourquoi pas? Coursiers, évidemment, assez faibles face aux armes tranchantes de Ryu. Ils font quand même assez mal. Pas mal mal. Ça ne me plaît pas trop. Attaque surprise, oh bah petite fuite. Ok, donc de ce que je vois, faut juste descendre. Cependant, je m'attends à une petite surprise du jeu, une petite douille. Qui va sans doute m'expliquer par ouais, mais en fait, tu comprends, c'est magique. Alors que cet ennemi a résisté à une attaque et qu'il est en train de me défoncer pas mal, ça me plaît guère. Bon, avec ce que je gagne, je peux me reprendre au moins deux herbes de vie. Ça va. Oui, alors les herbes classiques, on va les utiliser à fond. Voilà, et un petit peu d'or. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé avec deux herbes. Ok. Ok, j'aurais pu prendre la droite. Je ne l'ai pas fait. Alors, coursier, et tout le monde va se mettre sur le hypno. Quoique, Nina, tu as des sorts. Écoute, autant les exploiter. Et à ce pas, tu as des sorts, mais que pour... Ah si, si quand même. Pour quand même des sorts puissants. Les pronostics, chez vous, quand est-ce que je vais mourir? C'est le jeu. C'est le petit jeu, savoir quand est-ce que je vais crever.
Eh ben les sorts sont pas utiles. Non, 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 non. Sont pas super super bien utiles. Alors que le vent doux qui endort une personne, deux personnes. Bon, attaque quelqu'un qui est endormi, s'il te plaît. Non, mais pas lui! Ah, qu'il est con! Je vais me faire défoncer à cause de... Je vais me faire défoncer? Est-ce que c'est honteux? Ah bah, merci! C'est honteux ce qui se passe, mesdames, messieurs. Sachez-le, c'est honteux. C'est honteux, comme dirait... J'ai oublié comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. Ah, c'est... C'est moche. À la limite, Nina, ça va encore. Ah oui, j'ai aussi racheté des objets d'attaque. Ok. Oh, t'es pas sérieux. Oh, non, t'es pas sérieux. Oh, il faut que je fasse le tour. Oh, je suis... triste. Bon, un tour avec zéro de dégâts. J'en aurai pas tout le temps, donc du coup, tant mieux. Mais comment tu peux faire un de dégâts, toi? Comment c'est possible? Ouais, 44, je comprends. Mais oh, c'est moche ce qui se passe. Allez, l'un de 33, ça va. L'un des commence à devenir pas mal baraqué. Bon bah ouais, j'aurais faire le tour, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Je vais mettre 20 minutes pour juste faire un tour. D'ailleurs, on se rapproche des 20 minutes au moment où j'enregistre, pour vous ce sera beaucoup moins. Je pense que vous devriez être autour de 15 minutes. Parce que je pense au watch time de mon public. C'est pas vrai. C'est pas vrai, je pense pas au watch time. Même si j'essaie de me limiter à une heure. Ce qui arrive rarement. Et puis au pire, faites ce que vous voulez, écoutez. Ah, et ben voilà, c'est pas 29, faites ce que vous voulez. Plein de gens qui espagnent. Oui, écoutez, votre vidéo, là, elle est un petit peu longue comparée à d'habitude. Oui, YouTube, mais... Je fais ce que je veux, écoute. Fous-moi la... Oh, un mammouth. Fous-moi la paix, YouTube. Un gros mammouth. Un très gros mammouth. Un mammouth résistant. Et ça me fait peur. Ah, j'ai peur pour ma vie. J'ai peur pour ma vie. Secours. J'ai peur pour moi. Help. Allez, on va partir sur sur une flamme. Hein. Deux coups. Alors, premier coup évité, c'est bien ça. Semblant... Ah bah ça marche. Le feu marche. Qu'est-ce que c'est que ce sac à PV? J'aime pas ça du tout. Ça me fait peur. Aïe. Ah ça va encore. L'end résiste bien. Oh mais le sac. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Je vais mourir. J'ai tellement vu, je l'ai vu de loin.
Je réfléchis vite. J'essaye de savoir ce qu'il faut faire, mais je suis pas prêt. C'est un sac à PD que j'ai devant moi. Et actuellement, pour augmenter mes dégâts, c'est compliqué. Oh putain, attends, je lui ai mis au moins 500 et il est encore en vie. Oh, 7800, c'est pas beaucoup. Oh, c'est pas beaucoup. Bon. Heureusement que j'ai des herbes. Petite herbe dans le nez, ça va mieux. C'est tellement clair qu'il me disait « Eh, vas-y, prends Sten, ça va aller plus vite !» Bon, bah, à ce pas, si jamais je veux faire une coupure, je prends Sten. C'est pas contre toi, mais je veux aller vite. Alors, je comprends pas. Des fois, je leur mets du 200, ça les défonce. Et des fois, je leur fais du petit dégât. Et il se passe rien. Non, mais il y a des trucs comme ça, je comprends pas. Voilà, encore un critique. C'est beau, c'est très très beau ce qui se passe. Et on enchaîne, voilà. Un coup fort à 300 et Ryu est 36. 36, 38, j'ai mal vu. Alors attendez, il y a un coffre qui est là. Je vais prendre le coffre. Dans l'intérêt qui est le mien. Peut-être y a-t-il un objet incroyable dedans. Peut-être que c'est nul. Je prends le risque. Peut-être que Ryu va mourir aussi, mais ça c'est une autre histoire. Écoutez, je prends le risque, je suis joueur. Regardez ça, c'est beau. Et en plus, il riposte. Et paf, la pastèque. Je pourrais m'arrêter là, et puis farmer pendant 2 heures. Mais j'aimerais au moins aller le plus loin possible. Et ensuite, peut-être aviser sur une stratégie à faire. Clairbre. Oui, alors, clairbre. C'est un bracelet, je pense. Qui doit avoir une particularité incroyable. Prévient les statuts anormaux. C'est très intéressant. Je vais me le mettre sur... Voilà, sur Ryu. Je vais mettre un sou sur chacun parce que... Ah non, j'ai qu'un seul sou. Bah tiens, prends une amulette, toi. Et toi, t'as plus rien. Et bah tant pis. Et bah j'ai récupéré un bracelet. Je pense que c'est important, ce bracelet. Ce bracelet va changer ma vie. J'en suis persuadé. Je suis aussi persuadé qu'il y a un moment où je vais crever. Si je meurs avant d'avoir descendu, c'est quand même honteux. Puis normalement, je pense que là, cet épisode, si je me trompe pas, ça doit être le dernier de l'année 2020. J'espère pas me tromper. Ouais, parce que je pense que vous savez que je ne finirai pas ce jeu tout de suite, tout de suite. Je me prends tellement cher que j'ai la moitié de mon soin qui vient d'y passer quand même. Est-ce que vous vous rendez compte? Oh la vache, heureusement que c'est une attaque surprise. Les deux, je ne peux pas gérer. Clairement, si j'avais eu les deux en combat classique, je serais mort. Je serais tellement mort, tellement de fois. Non, j'ai eu de la chance.
Oh là là, mais même en coup normal, il met pas assez de dégâts. Tu m'énerves, Ryu, tu m'énerves. J'ai confiance en toi, Ryu. Moi, j'ai confiance, je mets mes espoirs. T'es quand même 38. Putain, niveau 38. Oh là là, ça va vite. Ils grandissent vite. Et donc. Ah, c'est là où j'étais. Enfin, c'est cet aspect. Oh, attendez, parce que. Ça me met mal à l'aise là d'un coup. J'ai envie de vomir. Ce fond est terriblement. Désorientant. Je ne sais pas si ça se dit. Si ça se dit, tant mieux. Sinon, eh ben, je passe pour une personne de peu de vocabulaire. Ce qui m'arrive tout le temps dans la vraie vie. Sachez-le. Dans la vraie vie, j'ai un peu de mal à me faire comprendre. Et je dis ce qui me passe par la tête sans trop connaître le sens des mots. Si toi aussi ça t'arrive, mets-le en commentaire. Je me sentirai un peu moins seul. Je vais faire un truc avec Ryu, je vais tenter quelque chose, attention. Je tente un truc qui ne sert à rien, qui n'a jamais servi. Mais bon, autant que ça marche. Voilà, j'ai utilisé fumée. Un sort. Oh mais c'est une blague, il me dit tellement. Eh, viens avec Sten, viens avec Sten. Je vais... Alors ça c'est très bien. Ça, ça me fait peur. Alors, tandis que toi tu vas prendre Deadblock, les autres vont prendre le Ganymède. Ganymède qui est un des monstres qui rapporte le plus d'XP. Avec ses 6 points de vie. 73, mais c'est pas beaucoup. Le but étant qu'il ne fuit pas. Voilà, c'est la petite condition à respecter. Sinon, je vais peut-être perdre de XP. C'est bon. Ganymède, je l'ai. Maintenant, faut que je réussisse ce combat. Ce qui n'est pas gagné. Je suis en face quand même d'un monstre à base de cailloux. Et qui booste son attaque Bob pas mal. Ce qui me fait un peu plus peur. Ah, maintenant, il a déjà augmenté son attaque. J'aurais dû faire froid plutôt avec Aspa. Ouais, je pense. Oh, 72. Un petit critique à 140 et c'est pas assez. Étonnant. Je le sais. À 2 points de vie quand même. À 2 points de vie, je suis mort. Si j'étais à 264 points de vie, je serais pas mort. Et encore un critique avec froid. Bah voilà ceux qui prennent XP. Je pense que c'est mieux que ce soit tout le monde qui prenne XP sauf Ryu actuellement. Et Nina qui obtient Éclair X. Yes! Trop bien! Bon alors, je pense à Sten qui me sera utile. À ce moment précis, ça y est, il y a plusieurs chemins. Ça y est, je suis perdu. Au secours! Ma vie est compliquée. Ça va durer un moment cette histoire, je le sens. Donc, je rentre là, ou en bas, ou je continue à gauche. Alors, je vais aller là, il y a un coffre. Un casque, peut-être. Un casque, je suis pas certain.
ça ajoute quand même 3 de défense. Ah si, quand même. Si, quand même un peu plus utile sur Aspa. Et si je descends, qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors, je déteste. Sachez-le, je déteste quand ça joue comme ça, avec les dédales, des escaliers. Alors, je vous l'annonce, ça va être long. Cet épisode va sans doute durer une heure et demie juste sur cet endroit. Et j'ai esquivé la première vague de Vendoux. Là, je vais m'en prendre au moins 3. 3. Bah aïe. Putain, 3 Vendoux, ça pique. Ça pique assez. S'il y a que des coffres à cet endroit, je vais essayer de remonter à la surface et de faire un premier une première pause. Enfin pause, vous avez compris, première remontée. Je suis sûr que c'est pas le bon chemin et j'ai vu un escalier. Je suis certain que il va se passer quelque chose à un moment et je vais le regretter. Mais Aspa, t'es tellement nul, arrête. Et Ryu qui prend toutes les attaques. Génial. Prends Aspa niveau 30, génial, écran. Oh, c'est un sort de défense. Je pense. Ah, je peux sortir de cet endroit. Déjà, ça c'est une très bonne chose. Résistance magique, ok. Alors pour info, j'avais déposé 20 000 balles. Ce qui fait que j'étais à 16 000, je suis remonté à 30 000 balles. C'est... Oh putain, un escalier pour remonter. Ah, je suis en train de me perdre. Ah, j'ai oublié de me soigner, j'ai oublié de me soigner. Je suis idiot. Oh le con. Oh le con. Oh polo. Oh polo la bêtise. Et j'aurais pu utiliser éclair X. Est-ce que je l'ai fait? Non. Pourquoi je l'ai pas fait? Je sais pas. Éclair X, marteau de Thor. Ah bah écoute. Voyons. Voyons comment il se débrouillait. Ok. Et un coup fort sur l'end qui résiste. Ouah, ça fait péter. Waouh. Wow. Ah, c'était beau. C'était pas mal beau. Je reconnais. J'ai plus de soins, j'ai plus de soins, j'ai plus de soins. Ouais, 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 j'ai plus de soins. Donc là, il y a un escalier. Oh, je le sais. Oh, je le savais. Bon, de toute façon, je reviendrai à cet endroit à un moment ou à un autre. Je le savais qu'il y avait une douille. Je le savais. Oh là là, ça m'énerve. Bon, bah, Nina, écoute. Si jamais ça marche sur ça, tant mieux. Aïe, 121. C'est parfait. Tout va bien. Mais regardez-moi cette barre de vie. Mais comment? Mais à quel moment? Même pas je réfléchis. Donc après celui-là, je vais aller sauvegarder.
déjà, je vais changer d'équipe de manière à avoir Sten et avoir un peu plus d'objets. Voilà, voilà. Bah parfait. Est-ce que je peux tenter d'aller de l'autre côté? J'ai pas envie d'aller de l'autre côté. Là, je ne tente pas, je bouge plus. Nina, sortie. Ah, je suis carrément sorti, très bien. Alors, non, finalement, je restais là. Je vais couper, je vais faire des commissions, je vais faire du repos et je vais amener Stan avec moi. Ça va recouper, à tout de suite. C'est bon, je suis de retour. Maintenant, ça va aller un peu mieux. J'ai refait le plein, j'ai Sten avec moi. Sten qui est quand même niveau 31 actuellement. Cependant, là je vais couper jusqu'à ce que je revienne aux endroits où j'ai été soit bloqué, soit où il y avait des coffres à les récupérer. Et puis comme ça, ça ira un peu plus vite dans la vidéo et ce sera sûrement, très sûrement plus digeste pour vous. Alors que Sten a déjà perdu la moitié de sa vie et je suis mort. Je suis mort, mesdames, messieurs. Le décès palpable, s'il en est, est bien présent. Alors que, quand même, Land assure le lead. Et voilà, Sten est mort. Tout va bien, cette partie est super. Moi, je le vis bien. Voilà, je suis revenu, j'ai fait un maximum de provisions de soins, c'est-à-dire que j'en ai 45. J'espère que tout va bien. Ce que je vais faire cependant, pour éviter à tout le monde de perdre du temps et surtout à vous, c'est que je vais juste revenir aux endroits où je me suis arrêté et les endroits où il y avait des coffres, de manière à vous skipper les combats. Ce sera sûrement plus digeste pour tout le monde. Et on va continuer après là où on s'est arrêté. J'espère que vous avez compris. Comme je vous l'ai dit, hein, un petit peu de mal à se faire comprendre. Du coup, on y va. Et on va tout de suite aller au coffre qui était un petit peu plus loin. Donc, ce coffre. Voilà, le premier. Je pense d'une longue série. Oh putain, un dragon. Oh putain, un dragon, merde. Putain, ça n'arrive qu'à moi, cette saleté. Oh. Ah, mais pourquoi 67. Ah, et puis ça attaque deux fois. Ah, mais au secours. Oh, mais non, mais non. Oh. Et encore, putain, je fais que des critiques avec froid en fait. Oh, c'est tellement inutile ce que je fais. C'est honteux. Ah, vas-y. Allez, vas-y, on claque le éclair X. Je vais mourir. Je vais tellement mourir. Je le vois d'ici. Je suis pas mort, mais double riposte. S'il meurt pas, je suis tellement mal. ~16 000 d'XP. Aïe. Alors, le soin. Ah, voilà. Le bon gros soin des familles. Dis-moi que c'est un objet cool, s'il te plaît. Putain, c'est un arc. Putain, tu peux pas me faire ça, le jeu. Oh non,
Oh, il me l'a mis à l'envers. Non, tu peux pas me faire ça, le jeu, putain. Ah, je te déteste. Ah, je te hais. Ah, bon. Et eh ben, maintenant, il faut revenir dans la petite zone où on était tout à l'heure, où il y avait pas mal de coffres. De coffres, tout à fait. Même si... Si c'est le bon chemin, je vais aller explorer les autres endroits. Alors, je vais revenir au niveau de la porte, juste après ce combat. Voilà, bon, là, c'est bon, ça va être le passage farming. Farming Simulator, vous connaissez. Bon, petite coupure, je vous retrouve devant la porte. Ok, en admettant que en haut c'est la suite. En bas y'a quoi? À gauche y'a quoi? Je vais aller à gauche. Je me fais... Oh la vache, encore. Mais au secours quoi, au secours. Non bah Stan, tu sers à rien en fait. C'était pas ce que je voulais faire, je me suis trompé. Je rêve ou je viens de lui mettre 0. Ah ! Saloperie ! En fait, c'est Nina qui va avoir besoin des noix au final. Ah, par contre, là. Défense agit comme deux coups pour lui. C'est incroyable, c'est éclair X le plus utile de toutes mes attaques. Non, mais c'est n'importe quoi, monsieur. S'il vous plaît, respectez-moi. Bon, Nina, tu vas mourir. T'es morte. Mort. Mort. C'est n'importe quoi. Oh, je suis... je commence à être un petit peu saoulé. Moi, je sais pas vous, mais moi, oui. Oh là là. En tout cas, je n'ai rien dit sur la musique, mais je la trouve très bien. Il y a un escalier. Je sens une connerie qui va arriver quand je vais monter cet escalier. Je la sens. Je la vois arriver. Je me dis, il va se passer un truc que je vais regretter. C'est un coffre. Ok. Donc, à gauche, bon chemin. Un fouet, oui. Merci. Enfin, quelque chose du... Putain, j'ai plus à spa. Je n'ai plus à spa. Je me suis emballé pour rien. Donc, à gauche, il y a un coffre. À droite, enfin, en haut, ça doit être la suite. En bas, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça commence à monter. C'est horrible. C'est horrible ce qui se passe. Ah, calme-toi, émulation. Pourquoi as-tu décidé d'un seul coup que tu allais t'arrêter et... Oula. Alors. Pourquoi ça fait des petits ralentis? Donc là on est d'accord, on va en bas. Alors, toi en premier. Bon, Nina, je pense que tu... À cause de toi, je vais devoir refaire un stock de noix IQ. Ce qui est génial, hein. Vraiment très très génial, j'aime beaucoup cette idée. Je sais que ça va leur faire un ou deux dégâts au Ganymède, mais c'est pas... Ça fait 0 de dégâts, parfait. Et j'aimerais surtout tuer le Daedalos. Daedalos, même. En premier. Immunisé au sort, très bien.
Est-ce que je peux l'avoir un petit peu plus profondément? C'était pas du tout toi que je voulais attaquer. Et je sais qu'au prochain tour, tu es mort. J'ai pas juste un sort cool. Genre flamme. C'est bien flamme. Oh là là, ça m'énerve. Oh, s'il m'attaque, je vais me prendre le double. Ah, silence, parfait. Génial. Eh ben, dans le cul, madame la marquise. Eh bien, bien, bien dans le cul, madame la marquise. Hein. Oh bah, silence. Mince. Oh, c'est con la vie. Ah là là, c'est un peu bête. Merci d'avoir choisi l'end. Bon, là, tout le monde a... J'ai fait automatique. Pourquoi j'ai fait automatique? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appuyé sur gauche un tout petit peu en retard. Enfin, un tout petit peu en avance plutôt. Voilà, et là maintenant je peux me les faire. Classic style. Bah oui, plus de défense, t'as raison, ça sert pas à grand chose. Comment j'annule? Comment j'annule automatique? Au secours. Start, select, non. Non, je peux pas. C'est pas marqué dans le manuel. Ah si, j'ai dû appuyer sur... ça se trouve c'est Start ou Select. Et je le fais au hasard. Ou bien c'est LR. J'espère que vous appréciez beaucoup ce qui se passe. Je pense qu'on est parti sur une phase assez longue et énervante. On va être parti pour... le fun. Voilà. Les noix aussi sont parties à une vitesse folle. Oh mais même là, il y a une suite. Alors, du coup, ça voudrait dire que les coffres, c'est pas la suite d'un endroit optionnel. Je vais partir sur cette intuition là. Donc là, faut qu'à partir d'ici je fasse tout le tour pour récupérer le premier coffre. Et ensuite je descends de deux niveaux pour récupérer le second coffre. C'est poussé comme plan. C'est pas du tout une stratégie en fait, c'est juste un plan de route. Est-ce qu'on peut faire pire plan de route que ça? J'en suis tellement certain. C'est même une certitude. Et c'est le coup fort sur l'end, mais qui prend bien, qui le vit bien, de toute façon. Il le vit toujours bien l'end. La personne qui te vit mal actuellement, c'est moi, et c'est un des 32, c'est pas mal. On est d'accord que si je vais là, je peux pas faire... ouais, je peux pas, y a pas de raccourci, je suis obligé de faire le tour. C'était pour vérifier. Tout se passe bien dans ma vie, tout va bien, tout est ok, surtout ce Vendou. Je commence quand même bien à gérer avec ces quatre là, sans avoir besoin d'avoir un critique de Ryu sur certains ennemis. Par contre, ce dont j'ai besoin, c'est de luck. J'ai
J'ai vraiment besoin d'une luck incroyable pour avoir des attaques surprises et me casser des combats. Ce serait vraiment quelque chose de sympathique. J'espère en tout cas que cet épisode long vous amuse et vous voyez quand même que c'est pas facile la vie. Il l'a passé. Il a passé mort. Saloperie! C'est tellement ardu. Et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter autant? Comment? Pourquoi? Arrêtez! Laissez-moi jouer! Je veux connaître le fun. J'aimerais avoir cet espoir. Là, c'est pas ce qui se passe. Pas du tout même. Oh, c'est, oh, ça c'est... Alors ça, c'est pas gentil. Salaud. Je suis en train de mourir intérieurement. Tac, riposte. Paf. Est-ce que je peux connaître le fun, s'il vous plaît? Il se passe quoi si je monte? Oui, une attaque surprise. Parfait. Fuite. Alors, je regarde. Non. Ah mais c'est... J'ai fait un tour. D'accord. Donc... Le jeu m'a dit, tiens, tu fais un tour. C'est un seul et même endroit. C'est bon à savoir, je suis en train de me faire ma carte dans la tête là. C'est super génial ce qui se passe. Je prie pour qu'il y ait quelque chose de bien dans ce coffre. Vraiment. Augmente l'endurance. Et bah plus d'endurance sur notre chère Nina. Ah c'est vrai que j'ai des rôtis. Je pense pas à m'en servir. Alors, ça par contre pour augmenter le courage sur Ryo. Et j'ai autre chose. Ah oui, j'ai un bon miso qui augmente l'esprit. On va mettre ça sur Nina. Voilà. Ça me fait de la place. Donc là je me suis énervé à aller prendre un coffre. Maintenant on fait demi-tour. Tout va bien se passer. Tout ne va pas très bien se passer. Si, c'est bon. C'est bon. Ok. Attaque. Allez. Merci, Ryu. Bon, mon quatuor principal, il est complètement formé avec ces quatre-là. Je viens de m'enfiler 20 soins. Alors non, mets-les en ordre. En ordre. De toute façon, dès que j'ai plus de soins, je TP et je fuis en ville. Aussi simple que ça d'ailleurs. T'as pas de soins, et bah tu dégages. Je n'ai toujours pas
l'initiative au niveau de l'agilité. J'espère que ça arrivera à un moment. Ah, un move décidément incroyable, la défense. Ça, c'est un bon move. Ça, c'est un truc que j'aime. Alors que Nina continue d'être une des plus fortes. Enfin, deuxième plus forte. Je peux pas avoir une attaque surprise encore. Moi j'aimerais bien fuir. Et ce concept incroyable où je fais pas le combat. Pas que ça m'énerve, mais un peu. Alors que c'est la triplette de coups forts. Prends la esquive, c'est bon. Et Ryu 39, Ryu il va atteindre le niveau 40 juste avec cet endroit. Donc là je descends. Faut que je redescende d'un niveau de l'autre côté, que je refasse le tour, que je refasse le demi-tour et que je descende. Durée du trajet 10 minutes. Si je compte toutes les rencontres. Et je pense que 10 minutes, je suis très gentil. Et alors fumer, ça ne sert strictement à rien. Autant dans le premier, il y avait une assez grosse différence. Autant là, je la vois pas. Je sais pas. Je comprends pas. C'est ça faute de Capcom. De toute façon, ils ont dit le jeu, on va le mettre plus dur. Bah voilà, bah il est plus dur, il y a des gens comme moi qui sont en train de gueuler dessus parce que, oh là là, c'est pas super. Après, je suis un enfant des années 2000, hein, vu que j'ai grandi durant les années 2000, tout ça, donc évidemment, on va me sortir l'excuse, oui, mais je connais pas la difficulté. Ah, mon copain, là je la ressens la difficulté, je la vois surtout. De toute façon, on n'a jamais eu de chance en France. On n'a jamais de chance. Voilà, je le dis. On n'a pas de chance au niveau des sorties jeux vidéo en France. Les traductions sont en général très mal faites. Les jeux sont bâclés. Et puis les jaquettes aussi. Alors, les jaquettes, c'est le festival du n'importe quoi. On a des trucs totalement différents de ce qui se fait ailleurs. Est-ce que ça se continue encore aujourd'hui? Je pense. Pas certain, mais je pense que oui. Et c'est dommage. Je ne comprends pas qui décide pourquoi les jaquettes doivent être différentes. Allez. Voilà. Escalier numéro 3. On fait demi-tour. On fait le tour. On refait demi-tour. Et on avance. Ah, je vais m'amuser à monter ça. À couper comme un gros dégueulasse. C'est magnifique. J'espère que ce coffre aura quelque chose d'utile à mon équipe. Vraiment. Et voilà, une attaque surprise. Oh, c'était pas compliqué. J'ai gagné au moins 45 secondes.
Non mais j'étais à 2 mètres du coffre. Franchement les gars, pas sérieux. Pas sérieux du tout, aucun respect pour le joueur. Et le, oh là là, le Vandou. Une attaque que je déteste. C'est l'attaque qui va te dire si tu perds un tour ou pas. Et bah flamme X, voilà Sten, utile. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Augmente la force. Alors, qui a besoin de force? Nina, c'est ça. Je vais mettre la force sur l'end. Allez, petite force sur l'end. Voilà, l'end de plus de force, donc. J'imagine un peu plus d'attaque. J'espère en tout cas que votre année 2020, malgré tout ce qui s'est passé en France, s'est bien passé pour vous. Que ce soit au niveau social, au niveau professionnel, même si professionnel. Voilà, moi j'ai eu quelques petits... ça m'a un petit peu fait chier, voilà, professionnellement ça m'a un petit peu fait chier, mais j'ai eu beaucoup de chance, niveau professionnel vraiment. J'en parlerai un peu plus dans les vidéos de fin d'année. Mais en tout cas, si pour vous, malgré tout, ça s'est bien passé, que vous n'avez pas eu de mauvaises surprises, ou le moins possible, ou de pas trop grave, et que vous avez la santé. Je dirais déjà, tant que on a de la chance et que tout va bien, c'est déjà pas mal. Allez, allez, je vois l'escalier, il est à 3 cases. Merde! Bon, ce que je vous propose, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Je ne sais pas, je suis en train de réfléchir là. Très bien, je vais faire ce combat. Écoutez-moi bien, je vais faire ce combat. Je me casse du donjon pour me soigner. Et je reviens avec un maximum de soins et d'objets. On se met d'accord là-dessus. On se met d'accord là-dessus. Très joli Flamix. Et j'en profitais pour équiper tous les équipements que j'ai ramassés, notamment l'arc et le fouet. Mais l'épisode ne sera pas fini pour vous, parce que vous en aurez toujours plus. Allez. Hop, sorti. Oh, voyons, on s'en va loin, 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 loin. Faut que je récupère ce pas, donc petit switch. Et je vous retrouve, eh bien, juste à l'endroit où on est parti. A tout de suite. Bien, nous y revoilà. Après
un moment pas très agréable à chaque fois pour revenir ici. Et d'ailleurs, l'End a atteint le niveau 30. Ce qui a permis de débloquer le soin 3. Et c'est un soin pour tous. Donc ça va bouger dans mes stratégies. J'avais dit que je voulais aller en haut. Qu'est-ce que c'est que cette sortie encore? Ça me plaît pas cette histoire, ça me plaît pas. Y'a rien qui me plaît. J'espère que dès que j'aurai fini cette grande salle, ce sera terminé. Malgré les moult coffres qui sont à ma vue. Et un. Bien, de l'XP. Oh, un quoi? Un beau corps rêve. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un équipement. Tir du sommeil. Ah, ça. Alors ça va être très très utile contre ces personnages. Nina, équipement. Ou Sten. Alors Sten en a un. Ceinture héros ou vent. Oh, je vais le mettre sur Nina. Ah non, je peux directement aller chercher les deux coffres. Impeccable. Une armure héroïque, c'est ça. Armure. Oui, c'est une armure héros. Ouh. Ouh. Ça c'est cool. Bon, du coup c'est l'End ou Sten. Oui, Sten qui va augmenter de 1 sa défense. Et l'End, tant pis. Donc déjà Ryu vraiment bâti comme le lead de cette équipe avec ses stats qui ont augmenté incroyablement. Le jeu m'a quand même dit qu'il y a un chemin en haut à gauche. Est-ce que je vais le suivre ou pas? Je suis dubitatif. Je ne sais pas trop. Je réfléchis. Ah, une robe, ça c'est bien. Ça j'ai reconnu au nom, la robe. Ouais. Et ben, et pas ouf, hein. Que 2 points de défense. Il y avait un équipement bien, un équipement un peu nul. Est-ce que je vais en haut à gauche? J'ai envie de voir quand même. Mais je sais pas trop. Oh, ce sort qui me fait peur à chaque fois. Par contre, les coups forts avec Ryu, c'est ce qui me régale. Allez, vas-y, je prends le risque. Ouais, c'est ce que je pensais, ça fait juste le tour. Ça fait que le tour, ouais. J'ai vérifié et maintenant je suis certain. Petite salle ici, cependant, comparée à l'autre.
De l'XP, de l'argent. Et je laisse Sten en première place, comme vous l'avez vu. Ah non, c'est le tour, ça m'emmène à l'autre coffre derrière. Ah, d'accord. Ah, je pensais que ça allait faire le tour, mais non. J'espère que dans ce coffre, il y a une arme soit pour Land, soit pour Sten. Ou mieux, pour Nina. Ryo, je me fais aucun souci, vraiment. Mais alors, pour les autres... J'ai eu de l'équipement pour tout le monde, sauf pour les trois. Enfin, une arme, surtout. Sten, il met quand même un peu de dégâts, mais Nina, zéro. Et Land, ça dépend. Vraiment, j'espère trouver une arme. Oh, je le vois presque. Je le vois presque. J'arrive à chaque fois. Au bout. Évidemment, le Vendoux. Bon, déjà Nina et Sten, sur certains, impossible d'endormir. Quel est le pourcentage de drop de cet item d'ailleurs? Bon, parce que j'en ai combattu largement plus d'une centaine et ça doit être la première fois que je drop ça. Et où est-ce que j'avais déjà eu le premier? J'ai dû le drop soit dans un coffre. Une épée arquée? C'est quoi cette merde? Ah, la Starbringer, c'était pas l'arme la plus puissante du jeu, d'accord. Et ben j'ai une autre arme plus puissante, c'est l'épée arquée. Et alors là, voilà. Alors, vous avez vu que j'avais 4 épées dans mon sac. Parce que je ne suis toujours pas résigné à vendre certains équipements. Je suis en train de le faire petit à petit en fonction de la... En fait, je me base sur la valeur, c'est-à-dire en dessous d'une certaine valeur, je vends pas, parce que peut-être que ça peut encore être utile. Et en général, je regrette un peu. Là, je vais regretter un personnage, je vais regretter. Ah, plus de magie. Donc, il va faire qu'un seul mort et après, c'est terminé. Donc, très peu de magie. À 233 je sais pas trop. Vigueur. Parfait, ce vigueur. Vigueur, bon item. Augmente l'endurance. Eh ben, Nina, tiens, prends de l'endurance, Nina, parce que tu me sembles un peu faible. J'hésite à remettre ma Starbringer quand même, parce que... Elle mettait un peu plus en coup fort. Ah, j'étais content, j'avais pas vu de monstre depuis au moins 5 secondes. Je suis en train de penser que il va y avoir des méta statistiques dans les stats des personnages. Ah ouais, je vais me remettre la Starbringer parce que normalement j'aurais déjà mis un coup critique là sur ce mob. Ah bah voilà. Oh, c'est quoi cette épée nulle? Ah non, c'est mort, je remets la Starbringer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des... par exemple la vigueur, ça augmente l'endurance. Et endurance, et ben je la vois pas. Sur la feuille. Et d'aller voir aussi un autre truc qui doit... Je crois que c'était... Je sais plus qu'est-ce qui augmentait, mais déjà l'endurance je ne le vois pas, donc ça doit être une méta statistique. Si quelqu'un a une idée par rapport à ça, je reprends ma Starbringer. L'épée arquée à la limite, je la donnerai à Ical. On est d'accord qu'en coup fort je mettais 110. Bon, je mets beaucoup moins en riposte, ça c'est sûr.
En riposte, je mettais du 88. Voilà, je mets 256 juste en attaque normale. Alors qu'avec l'autre, je mettais du même passant. Donc la Starbringer pour Ryo, sur certains, on la garde. Petit level up de Nina, allez, on descend pour atterrir en bas cette fois-ci, si je peux, hein. Ah, Sten attaque en premier, donc l'agilité qui a pas mal augmenté de ce côté-là. Ouais, y a pas photo la Starbringer. Best arme pour Ryu. Ouais, on est au milieu de l'escalier, on a presque descendu. J'espère qu'après c'est terminé parce que j'y vais pas de cette zone. Très bonne zone pour farmer par contre, avec les 10 à 15 000 d'XP. Par combat. Mais très épuisante. Parce que le nombre d'allers-retours juste pour traverser de fond en comble. Et là on peut déjà voir que j'ai utilisé. Je suis presque à la moitié de mes soins. Alors qu'il y en a déjà 9 qui sont partis lorsque j'ai voulu arriver à ce niveau-là. Allez, voilà, le sort mort toujours sur Ryu. Alors, entre deux attaques, c'est Sten qui a attaqué. Du coup, ça veut dire que les stats doivent changer entre les monstres. Tout un tas de méta-game dans ce jeu. Je l'ai vu tellement fort, ça. Je l'ai senti de très très loin. Et alors là, le fun commence. Ça, c'est le méga fun. Oh, la Sten, pas Sten Land, qui met un K, un critique très très beau. J'allais dire un 42, mais non, un critique. Vigueur, et ben voilà, encore de la vigueur. Deux fois du drop de vigueur quand même sur cette zone. Est-ce que c'est indécent comme endurance un peu sur. Il n'en a pas besoin. Non, pas besoin, c'est parce que je suis mort, c'est ça. Ouais. Voilà. Ouais, c'est parce que j'étais mort. Ça, c'est bizarre par contre. Quand tu meurs, tu ne peux pas utiliser. Je l'ai vu tellement loin. C'est ma faute. Quand tu es mort, tu ne peux pas utiliser d'objet pour augmenter tes stats. Une attaque surprise, super. Petite pause. Ça reste logique quelque part. Si tu meurs, t'es pas dans la capacité physique de boire ou de manger un truc. Alors, ils ont mort, mais pas assez de PM. On dirait 4 qui a flamme X, mais pas assez de magie.
mais c'est pas vrai. Non, mais arrêtez. Oh putain. Pardon, excusez-moi. Oh, sa maman l'a pas gentil. Bon bah là, je mets tous mes sorts. J'ai racheté une vingtaine de noix, donc je me le permets. Ah déjà, 270, ça fait un bon... Un tiers. Un tiers. Ouais, un tiers. Voilà, ça c'est fait. 20 000 d'XP. Quoi ? Là, 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 là. Allez, des noix. Alors, les noix, je m'en suis rendu compte un peu tard. C'est ma faute. Quand j'en utilise, ça enlève de la vie. Voilà, j'aurais dû m'en rendre compte à chaque fois, mais bon. Mieux vaut tard que jamais. Mais c'est pas vrai. Oh là là, mais arrêtez. Oh, mais la doublette encore. Mais vraiment, quoi. Arrêtez. Quoique, étant donné... Je vais tester une autre, un autre truc. Ah oui, Flamme X, c'est 20 quand même. Étant donné que Ryu met quand même pas mal de dégâts au cac... Si j'essaye déjà d'en blesser un avec Ryu, est-ce que je peux pas économiser un peu d'XP? Enfin, un peu de magie plutôt. Ouais, j'estime qu'ils doivent être à 1000 et quelques points de vie, ceux-là. Ah, ça. Je suis pas loin. Je suis pas loin de mon estimation. J'essaye un petit peu de compter en même temps. Quoique. Attends. Ryu va sûrement mourir. Laine de survie. Mais Laine a encore pas mal de magie. Et Nina. Flamme 2. Et c'est un attaque. Et je le savais, Ryu va mourir. Mais riposte. Mais il meurt. Sauf si... Non, il est mort. Et parce qu'il y a un pourcentage de que le personnage ressuscite. Je ne sais pas dans comment ça se base. J'ai pris tellement cher dans mes dents. Ah, ça m'énerve. Moi, ça me fait mal en tout cas. J'ai déjà plus de soins. Allez, on descend. Ah, est-ce que ça s'annonce comme la fin? Est-ce que ça s'annonce comme la fin? Ce serait sympathique. Mais vu comment c'est agencé, ça doit soit être une transition un peu nulle. Ce que je n'espère pas. Soit c'est le début de la fin de la zone. Alors que Stan est en train de comater. Ouais, coma, le coma... vous savez ce que c'est, hein. C'est la mort. Le décès. Tout ça, tout ça. Bon, vu que Nina a quand même pas mal de points de vie, je vais économiser. Ouais, quoi que non, j'ai un max de thunes. Ouais, c'est bon. À partir du moment où j'aurai plus trop d'argent, je pense que je vais pouvoir utiliser de la magie. Ah, ça s'annonce comme la fin. Ah, saleté. Bon,
Quoique non, pas éclair. Orage. T'as pas orage, toi? Non. Mina. Flamme X. Non, t'as pas flamme X, c'est vrai. Flamme. Ouais, éclair. Et Stan, flamme 2. Ouais, c'était pas très utile, hein. On va continuer sur des flammes 2. Bon, défense moins. Si j'arrive à l'avoir à ce tour, c'est tant mieux. C'est bon, je l'ai. C'est gagné! Bien, putain, c'est une dépense magique horrible ces monstres. Et Ryu niveau 40, j'ai pris combien de niveaux avec Ryu? Oh là là, oh ça va m'énerver ça encore. Je dois faire des tours et des tours. Attaque surprise, et bah cassons-nous. Ouais, ça va m'énerver si ça continue encore. Ok, ça va. Ça n'allait pas par contre. Le critique là. Pas agréable. Ah, pas bien du tout même. Non mais vraiment, ça c'est de la réutilisation là, on est d'accord. Ça fait deux fois qu'ils nous mettent les mêmes endroits là. C'est moi ou j'ai fait un truc qui va pas? Ok, donc c'est sûr et certain, il y a quelque chose que je comprends pas. Pourtant ça a l'air d'être le bon chemin. Voilà, ça c'est le truc qui va m'énerver. Si c'est une technique de fainéant comme ça. Ah, je vais pas être content. Je vais pas du tout être content même. Ça va surtout m'énerver. Sache-le, le jeu, tu m'énerves là. Je sens que c'est la fin. Fais attention. Je te vois le jeu. Allez. Je vais quand même m'en mettre un petit peu de points de vie. Hein, parce que quand même, je n'ai pas envie de décéder. Surtout Ryu. Allez, on continue de descendre. Putain, évidemment. Alors en même temps je suis en train de checker la soluce et il semblerait que ce soit le bon chemin que je suis en train de prendre. C'est ça, en fait c'est le bon chemin, c'est juste que c'est long. C'est juste que c'est long. Je comprends pas certaines choses dans ma vie et je comprends pas certaines choses dans la vie des développeurs. Et Stan est 30, putain, 35 déjà, c'est pas mal. Non mais vraiment, qu'est-ce qui se passe encore? Non, là je suis en train vraiment de me dire qu'il y a un truc qui va pas.
et ça m'énerve. Si je tourne en rond, dis-le-moi le jeu. Hein, tu me le dis comme ça, on sait tout de suite pourquoi c'est chiant. Il y a combien de salles comme ça? Mais vraiment, d'accord, donc il y a 6 salles comme ça qui se répètent. Je crois que je dois être à la 6ème. C'est fainéant, messieurs les développeurs. Ce que vous faites là, c'est ultra fainéant. Et quand c'est fainéant comme ça, ça me plaît pas vraiment. Mais genre pas du tout, du tout, du tout. Et là, bah, moi, ça me fait up en attendant. Waouh, et enfin on est arrivé, hein. Je suis au bout de ma vie. Mais on y est arrivé. Et il y a encore des chemins à prendre à droite, à gauche. Vas-y, je vais à droite. Parce que... Bah, pourquoi pas. D'accord. Après, pourquoi pas, hein, je... C'est même... Je suis même pas du tout effrayé. C'est juste bon. Vas-y. Oui. Oui. Ouais, c'est pas super efficace tout ça. Hein. C'est même complètement nul. Je reconnais que le design pourrait faire penser à un boss. Mais pas ouf. Non, pas bien du tout même. C'est pas incroyable. Moi je suis pas dedans. Bon bah Ifrit. Est-ce que j'ai pas un objet pour ça d'ailleurs? J'ai pas pris des fumées. Non, mais j'ai forme sup. J'ai pas de fumée, non. Je pensais. Oh là là, il y a un coffre. Allez, on y va. Il y a plein de coffres dans cette zone. Je pense que je vais faire ça en off. Alors, une bague immortelle, c'est ça? Une arme de magicien. Ah! Nina, s'il te plaît. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux, c'est vrai. Reconnaissons-le quand même. Bon, c'est là qu'on va commencer à voir que ça va être plus compliqué. Je sens qu'on est pas loin de la fin. Je le sens. Encore? Bon bah encore. Je crois que je vais mettre mes dernières noix sur Nina. Non, j'ai esquivé plusieurs de ses attaques.
et je suis pas du tout effrayé. Alors que c'est un critique. En fait, il est nul. Les battoirs sont plus dangereux que Ifrit. C'est... Je sais pas trop. C'est pas logique. Ouais, même ça, j'en ai plus peur. Ça va me faire 50 à chaque personnage et c'est tout. Ouais, Nina, elle va prendre toutes mes noix par contre. Lol, toutes les noix. Voilà, bon, 14 000 d'XP après, ça va. Mais bof. On va lui en mettre pas mal. Est-ce qu'on peut faire mourir quelqu'un avec avec des noix? Je me pose ce genre de questions. En effet, et bon, il y a un coffre. Voilà. Alors il y a un coffre. Tant qu'il y a des coffres sur ma route, je prends. Ifrit, bonjour. Comment allez-vous, Ifrit? Votre vie, tout ça. J'ai même... Voilà, même Sten, il attaque en premier. Ah, 92 par contre, ça fait peur. Ça vaut toujours pas les battoirs. Ah, 77. Ah, pas beaucoup, 77. Ouais, donc... on va faire des froids 3 à chaque tour. Et puis, c'est Nina qui va... beaucoup attaquer, beaucoup perdre de magie. Non, vraiment? Ah bah, critique 155, j'aime bien ça, moi. Et bah voilà, j'ai plus de soins. C'est bon, je suis presque dans la caca. Alors que une autre dague pour Sten, je pense. Un couteau à lame courte, exactement. Donc Sten va passer à 194. Et je semble distinguer quelque chose qui semblerait se ressembler à la fin. Ah ouais, mais par contre, si je m'en bouffais à chaque coin de rue, je vais pas être content, moi. Ouais, bah attaque, et puis Nina, froid. Ouais, et juste ça à faire, hein. Hollande qui finit au point. Imagine, tu finis un démon avec une arme de points. Je pense que ça serait un peu honteux pour le démon. Allez, mais dis-moi que je reviens sur le chemin. Oui, j'ai l'air de revenir sur le chemin. Est-ce que c'était vraiment que à droite qu'il y avait des grosses difficultés? Ou c'est juste que j'ai pas eu de chance? Allez, on va aller tout en bas. Je pense qu'on va partir, ouais, en bas, à droite ou encore. Voilà, allez. Ça, vous voyez, c'est mon dernier soin. J'ai plus de soins, j'ai tout gaspillé en une demi-heure. À droite, on prend le coffre et puis on va tout à droite.
Mais vraiment? À quel moment c'est accepté ça? C'est pas bien. Arrêtez. Moi après je suis pas bien dans mon petit cœur. Ça va encore que j'ai beaucoup d'herbes de vie. Mais arrêtez, faites plus jamais ça. Puis au moins c'est eux qui prennent l'XP. Allez, de l'herbe. Oh, ça descend encore. Et c'est long tout ça. Attaque surprise. Et bah parfait. Salut. C'est quoi une BR? Efface le sortilège. Je m'en fous de ça. Qu'est-ce que tu me donnes comme objet tout claquos? C'était... Je l'ai vu que c'était une impasse. Je l'ai tellement vu de loin. S'il l'avait descendu de deux cases, j'aurais eu la curiosité de me dire peut-être que j'y vais. Ouais, je ne croise plus d'Ifrit, donc c'était vraiment que à droite. L'End. Parce que quand même, il te reste un peu de magie. Voilà. Allez. J'ai eu peur. Je me suis dit, si c'est juste pour un coffre, je vais te laisser un truc. Oh, dis-moi que c'est une arme pour lui. Oui. Une arme pour l'End. Ah bah évidemment. Évidemment, je le vois venir. Donc là, j'ai une arme pour tout le monde. Ouais, attaque-moi comme ça encore 2-3 tours, c'est parfait, continue. Et en critique, ça c'est génial. Et ça j'aime. Ah, petite différence. Petite, mais on la voit. On va faire un froid 2 quand même, à ce niveau de vie. Voilà, parfait. Continue comme ça encore. Ah, je vois, je la vois, je la sens, la fin qui arrive. Ah, 272, ah, j'aurais peut-être dû faire froid, hein. Allez. Allez, on descend. On descend, on descend, on descend. Allez. Ça va le faire, moi j'y crois. J'ai toujours cru. Bon là j'y crois pas pour Stan. Voilà, Stan critique alors qu'il est ultra faible. Non mais vraiment? Vraiment ça allait résister ça? Je m'attends encore au pire. Je m'attends vraiment encore au pire. Allez. Allez. Allez, c'est encore loin. Attaque surprise, oui. Merci le jeu. Merci Eren Jesus. Allez, voilà, je la vois. Là, oui, la fin. Allez, dis-moi que c'est la fin.
Évidemment, le jeu, tu me fais passer un message, je le sais. Je le sais, t'en as marre. Je le sais que t'en as marre, mais moi aussi. Oh là là. Oh, je vois le bout. Et j'aurai 10 niveaux à faire rattraper au reste des personnages jouables. J'y peux pas. Je vais quand même partir sur froid, hein. Dans le doute. Me disant, ça va le faire. Si ça le fait pas, écoute, hein, y aura un mort. Un moire. Ah bah non, ça le fait pas. Ah bah si. Allez. De dernier soin. Et c'est. J'espère terminé. Allez, vas-y. J'ai même plus envie de claquer de transfo. Voilà. Au pire, si je claque une transfo, ce sera pas très puissant. Je suis juste à côté de l'escalier. Attaque surprise. Bah, parfait, tu vois. Allez, salut, mon pote. Ouais. Oui. Oui. Oh putain, il y a du doublage. Oh, finalement, le temps est venu. Oh, tu rayonnes de lumière. Il n'y a aucun doute, l'enfant élu. Bienvenue, enfant élu. C'est la ville des dragons, la patrie du clan dragon. Énigme. Dragnir, notre enfant élu, nous attendions ta venue. Va voir l'ancien. Mais non, laissez-moi sauvegarder. Oh, enfant élu, oh, nous devons remercier Dieu de t'avoir mené ici sain et sauf. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur ta destinée. Et sur la destinée du clan des dragons. Oui, d'accord. Je voulais sauvegarder, monsieur. Il y a très très longtemps, un brave dragon vainquit la déesse Myria. Et oui, et là on fait écho au premier jeu. Et le monde fut alors en paix. Chacun espérait que ses jours dureraient pour l'éternité. Mais c'était pas vrai. Regardez, je sors. Non. Nous avons appris qu'elle était ici. Pardon? Comment ça? Oh, la palette de couleurs. Cette chose que la déesse laissa derrière elle dans ce monde, c'était comme une petite cicatrice. Elle était appelée la graine du mal. Elle se nourrissait de la peur, du découragement, de la haine, de la jalousie et d'autres maux. Et cela la faisait grandir. Nous réalisâmes qu'un jour elle grandirait jusqu'à devenir très puissante et devenir l'ennemi du monde. J'ai mal à la gorge, arrêtez s'il vous plaît, monsieur. Oh, wow. Ce que la déesse laissa sous terre avait pour nom Deathhaven. C'est beau. Deathhaven s'étendit à travers le monde comme le font les racines d'une graine qui germe. Alors même, nous ne pouvions pas voir ou vaincre Deathhaven, puisqu'en fait, il n'a pas de forme réelle. C'est une très belle tour, cela dit. Afin de vaincre Deathhaven, nous n'avions d'autre choix que d'attendre qu'il prenne forme. C'est pas un bon move. Notre clan du dragon alla sous terre et continua d'attendre que Deathhaven prenne forme.
Le démon grandissait et nous n'avions d'autre choix que d'attendre. Jusqu'à ce qu'il sorte dans le monde des humains. Featuring une chaise qui glance. As-tu compris, enfant élu? As-tu compris l'histoire de notre clan? Et de la vie qui en est dans ce monde? Et de notre ennemi, Defaven? Oui. Car Santeva envoya beaucoup d'énergie au démon. Le démon Defaven s'est déjà montré de lui-même. Nous devons le vaincre avant qu'il ne devienne plus puissant encore. La seule personne qui puisse le faire, c'est toi, Ryu. Tu es l'enfant élu. Si j'étais Ryu, ah, je me serais posé en fort guerrier, j'aurais dit « laissez-le moi ». Ah non, c'était Stelmer. À ce point, il n'y a pas de retour. Prends notre destinée entre tes mains. C'est bon, je peux y aller? Santeva est parti, mais cela ne signifie pas que les mauvais sentiments du monde aient disparu. Sinon, laissons le temps passer, Defaven deviendra plus puissant. Va, mon enfant élu. C'est bon, je peux y aller? Oui, sauvegarde. Sauvegarde. Plus tard. Bien, et eh ben, ça m'aura pris un bon 50 minutes, mais ah, je viens de là-haut. Oh, que c'est énervant. Allez, sauvegarde. Oui, sauvez. Oui, sauvez. Parfait. Et autre chose que je vais tester. Non, c'est pas ça. Arrête. Bah non, je peux pas me téléporter, je regarde ça plus tard. Et ben c'était long, un gros épisode de Brief of Fire sur l'infinité. D'ailleurs, je suis où là? Je suis à Dragnir, très bien. Ça aura été long et éprouvant pour ma part, mais ça fera un gros épisode, beaucoup de combats, d'exploration. Et comme quoi, ça doit être le donjon le plus long du jeu, je pense, à ce niveau-là. En même temps, on doit être pas loin de la fin. On s'en rapproche, très sûrement. Merci d'avoir suivi ce très long épisode. J'espère quand même que ça vous aura plu. Je ferai la chasse au coffre de l'infinité en off, en vous disant ce que j'ai récupéré. Je vais un peu pexer le reste du groupe. Et dans le prochain épisode, on va continuer le jeu. N'oubliez pas, comme d'habitude, tout ce qui est pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les vidéos qui sortent tous les mercredis à 15h30, de laisser un commentaire si vous avez une astuce ou une combinaison pour les chamans, et n'oubliez pas de suivre sur Twitter et Instagram où je suis le plus présent. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine pour la suite de Brief of Fire 2.